Ouais, Punisher. Bah, Punisher, parce que t'as arrêté tout à l'heure quand t'es parti. Je suis revenu en haut, tout en haut. Oh, j'ai oublié les munitions sur l'autre meuf zombie. Et ah, attends, on va peut-être ouvrir. Tu fais la porte ici. Voilà. Ouais, donc pour l'instant on s'en sort pas trop mal. J'ai utilisé 15 sprays depuis le début du jeu. Avec des zombies qui me trollent mais deux fois de suite. Hein. Même en rechargeant, il m'a détrollé enculé. Oh putain, j'ai oublié de ranger ruban encreur de merde. C'est pas grave, de toute façon on va revenir tout de suite en arrière après. Article, la pierre rouge, la pierre rouge. Le rubis qui captiva le prince Edward de Woodstock, la perle de but de la reine, le diamant qui mène à la reine, un exercice, les pierres précieuses sont légion. Cette mystérieuse pierre rouge n'est que la dernière d'une longue série, comme les autres pierres, l'origine de celle-ci est inconnue. On dit qu'elle orna jadis la boîte à bijoux du noble, et qu'elle fut attribuée à un roi sage, et cet automne, cette pierre reliée de ce mystère sera exposée à l'occasion des enchères. Pour poissonner. Excusez, mes chers lecteurs, faites preuve de prudence et ce mal, car le mal est tapi dans l'ombre et de la beauté. Cette pierre a transformé des nobles soucieux de leurs sujets en despotes plus terribles que Caligula, et nos histoires le prouvent. C'est le sang versé pour ces joyaux qui les rend si brillants et corrompt le cœur et le propriétaire. Re, à plus. Ah, tu dis re pour dire à plus? Tu t'en vas déjà? Enfin, tu reviens pour repartir déjà? Ok, on a la carte d'accès. Alors ça, on n'a pas besoin tout de suite. Au moins là. Est-ce que j'ai un objet ici? Non. Demain j'ai collège. Oh, y a pas de soucis. Bah, de toute façon, je te couche tôt quand même, la vache. T'as cours quand même avec la neige qu'il y a? Ah, peut-être pas de la même région aussi. Mais ouais, bah, tu repasses quand tu veux. Et au pire, de toute façon, t'as. T'as les rediff si tu veux rattraper. Hein. Je mets les rediff sur YouTube. Bon, là, je suis en train de rediffuser toutes les rediff de Claire. À la prochaine, si tu veux passer, si tu veux parler sur Discord, on est là. De séparation. 1h30, on n'est plus que 4 ici, pas d'armes et pas de munitions, et l'affrontement nous a épuisé mentalement et physiquement, on n'en sortira pas. Notre fils et fils peuvent suggérer une fuite par les égouts, apparemment. Il y a un tunnel secret qui date de l'époque où cet endroit a été un musée. J'ai rejeté son idée, mais maintenant elle me paraît plus si mauvaise. Rien ne prouve que ce tunnel exige ou que les égouts ne sont pas infestés de zombies.
Je ne peux pas attendre la mort ici, c'est risqué, mais je vais essayer de trouver les infos sur ce tunnel. Elliot et Edward, c'est sûr qu'il est mort avec le carnet. Ah, c'est beaucoup mieux. Et on va chercher les munitions que j'ai oubliées en haut. Et on va tuer l'autre pute zombie. D'accord, alors il me manque la touche de clavier, mais c'est pas pour tout de suite. Du coup, on va revenir ici, on va revenir là. Ok, on est d'accord. C'est une grenade flash qu'il me faudra bientôt. Claire, bouge pas, j'arrive tout de suite! D'accord! Claire, je suis content de te voir. Comment tu vas? Cet hélicoptère est sorti de nulle part. J'ai rien de cassé. Évidemment, aucune de ces poches contient la clé, je me trompe? Malheureusement, non. Toi, comment tu t'en sors? On va dire que je survis. Tant mieux. Des nouvelles de ton frère? Non, pas encore. Claire, garde espoir. On finira par le retrouver. Merde. Tu sais ce que ça veut dire? Ouais. C'est l'heure du dîner. Claire, reste pas ici. T'en fais pas pour moi, Léon. Fais attention à toi. Va-t'en de là, allez! Hey, on va s'en sortir, tous les deux. C'est plus Sion qui doit dire ça. Marvin, ça chauffe par ici. Ça grouille de zombies. Marvin, il me ressort. Hey! Marvin! Merde! Putain, j'ai très vite plus de place là en fait. Oh mais hé! Ok, c'est bon. On va d'abord se faire tous les zombies du couloir. Sauf lui, puisque lui, on va savoir pourquoi.
Il sait pas ouvrir cette porte. Et j'ai des munitions. Oh, là-bas. Une meuf ou je l'avais tuée? Ah bah oui, c'est beau. Ah bah je l'avais tuée. Écoute, j'ai l'air d'avoir de la chance pour l'instant. C'est pour être sûr que j'ai bien fini tout le monde. Niveau de place, on va pas faire le con, faut prendre le fusible en premier. Trop beau. Toi, je te bloque. Oh, putain de merde. Oh, dis-moi qui s'est ouvert la porte quand même. Il va pas me faire le coup de pute. Allez, ouvre. Oh putain, celui-ci sait pas ouvrir une porte, celui-ci non, merde. Ah. Quand même. Pas de zombie? Oh, jury. Chaque fois, j'y pense jamais, mais comme Marvin ne répond pas. Une petite cinématique ou tu le vois juste mal en point? Toujours vivant. Ça. Vas-y, tu sais quoi? On va ranger ça, le temps de ramasser tous les objets qui traînent dans ce bureau qui était là-bas. Ah putain, il y a quand même deux. Yeah! Oh putain, vu le game, ce qu'il a. Viens et toi.
Valve. Alors, comment dire que j'ai fait clair en premier, clair A, scénario A. On va prendre les scénarios A et B. J'ai galéré à mort sur les phases de boss. Moi, j'ai fini les deux campagnes en normal et là, j'essaie de faire tous les docks et les statues. Ok, ah, oh, cool. Et donc, j'ai fait clair en A et tout. J'ai essayé Lyon bis direct après. Sauf que j'ai pété un pont, j'ai mal géré. Et en fait, les apparitions. En fait, j'ai mal géré les apparitions du tyran. Dans le sens où. Voilà. Dans le sens où, en fait, j'avais plein de trucs à faire. J'ai pas tué les bonnes créatures dans les bons couloirs. Et ça m'avait pété les couilles. Non, par contre, la deuxième phase, la G2. Il m'a pété les couilles. La G3 m'a énormément pété les couilles. La G4, j'étais mort une fois parce que j'ai fait mal le con. Deux fois parce que j'étais trop distant et du coup, en visant de loin avec la Gatling, c'était la merde. Et donc voilà. Donc après, avec le Lombis et tout, j'ai galéré à mort. En plus pour tuer les liqueurs, le physique à pompe, sauf quand tu l'améliores à fond, est naze dans ce jeu-là. Hop, j'ai géré mon coup. J'ai la bombe, ça, ah, il manque à chaque fois cette putain de planche. La flash, bah, de toute façon je peux la garder parce que je vais en avoir besoin. Ça on dégage. Oh putain, mais oui, je suis con. La planche, j'aurais pu la prendre. Parce que si je repasse par où je pense à un moment donné, j'aurai besoin des planches. Par ici. Presque fait la moitié des succès là. Et ah oui, entre temps j'ai joué en. Après j'ai pété un plomb et j'ai joué en normal de mon côté vite fait. Donc au final j'ai fait Lyon bis en normal. Et j'ai pu éclair, je l'ai speedrun en. Enfin je suis speedrun. Je l'ai réussi à le faire un peu vite en 3 mi... en 3h35, je suis dégoûté parce que c'est après que j'apprends que le rang S c'était 3h30. 3h30. Que j'aurai besoin plus tard. Ouais, 5 minutes près, mais en fait j'ai perdu beaucoup de temps à faire des allers-retours pour voilà, de merde. Sinon je pense que j'aurais pu. Et par contre, mode hardcore, le rang S c'est 2h30. J'ai vu ça, j'ai fait. Là qu'en 3h30 en normal, c'est chaud. mais à mon avis, il faut une mission. Donc, par contre, le jeu, je sais pas si t'as pris les DLC, je préfère largement les musiques originaux. Oh, je sais pas si c'est par nostalgie. Je suis en train de voir ma réserve de place. Parce que j'ai plein de trucs à ramasser en haut.
Et mettre le couteau contre le lit. Ah non mais j'ai pris le pack de 15 € avec tous les costumes. Ok, ça m'aurait déjà libéré. T'as que j'ai remarqué la différence. Lui il est plus puissant. Celui de Chris est plus précis, celui de Claire est plus rapide à dégainer. À tirer et à recharger et tout. Et comme un con j'avais joué avec celui de Jill. Parce que je kiffe Jill. Ah putain, et tu sais quoi? J'ai pas envie de me faire. Ils sont mis en ruban encreur. Ils sont là. J'ai 5 rubans encreur. J'ai le liqueur qui arrive. J'ai pas envie de merder. Parce que c'est clair, si je merde alors que je viens de sauvegarder, je reprends. Là, t'as pas mis les musiques. Non, pour les lives où je vais. Pour les lives là, je laisse le remake entièrement. Et après, quand j'aurai pour le plaisir, quand je referai un speedrun et tout, je laisserai. Je ferai les 14 000 pas ou le système des trucs des coffres, je mettrai en. Avec les musiques, oui. Oh putain, voilà, c'est ça que j'oubliais. Le volant. Ah oui, et tu veux rire, quand j'ai fait Claire en hardcore, c'est seulement à la fin du jeu que j'ai compris comment marchait l'arme électrique. Ça, les 14 000 pas, faut pas se louper. Ah ouais, tu m'étonnes. Les 14 000 pas. Bah, en fait, faut que tu speedrun, mais même en speedrunnant. Tu sais, rien qu'un boss. En fait, le boss, faut que tu sois sûr de le dégommer très vite. Donc en mode facile. Et il faut pas que tu. Limite, contre le boss, tu bouges presque pas. Il faudrait. Parce que tu peux perdre beaucoup de pas juste à cause des boss. Et même à cause de l'autre enculé de tyran. Faut que tu connaisses tous tes mots de passe par cœur, par exemple au labo. Par contre, grosse déception, je sais pas pour toi. On va dire que scénario B, du moment de la dernière fois que Léon. Du moment que Léon et Claire se croisent dans le grillage jusqu'au avant le boss final, il se passe la même chose. Et là, pour ce coup-là, j'étais déçu. Parce que par exemple, moi, la raison que j'avais fait Claire A et Léon B, je voulais voir le concentration à d'attirant. Et non, en fait, on a eu la scène de Léon A de Resident Evil 2 dans le bis. Par contre, on se sac à. Ah merde, je vais relancer le live. Putain, ça m'arrive des fois. Je relance le live tout de suite et en plus ma co est merde donc. Hop.